Alors bon, ben déjà, merci d'être venus tous un samedi. Moi, j'avais très envie de faire cette lecture déjà pour que ça nous donne un peu le ton de ce qui se passe tous ensemble. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on lise. Et si dès que vous avez des petits problèmes par rapport au texte, au dialogue, voilà, on en parle. Mais on fait ça vraiment à plat. Vous stressez pas. Hein, c'est moi qui suis stressé de vous avoir tous là. C'est assez émouvant et un peu flippant. Mais bon. Bon, voilà, allons-y. Schneider est une image un peu floue et c'est une image de fantôme, quoi, voilà. C'est un bon flic, mauvais mari, et il n'a pas eu le temps d'être bon père. C'est un personnage de tragédie, ouais. C'est un survivant, voilà. 78 sur un deuxième. Ouais, on envoie la zic. Au moment où on prend Justine dans le film, c'est quelqu'un qui peut pas être dans la vie. C'est quelqu'un qui est plus en survie. C'est une personnalité qui est très chaotique, et c'est pour ça que je l'ai comparée à quelque part. C'est une sorte de fantôme. C'est pas une personnalité qui s'est forgée. C'est la petite fille qui a grandi, mais qui est restée petite fille au final. On lui a enlevé ses parents, c'est pas rien. C'est surtout la manière dont on lui a retirer cet amour-là, enfin, on lui a arraché, quoi. Entre Justine et Schneider, il y a les yeux de la mère de Justine. 20 ans après, il est le dernier lien entre la mère de Justine et l'obsession que Justine a de la mort de sa mère et du tueur de sa mère. Sans y mettre deux mots, mais en y mettant un regard, elle comprend ce que c'est que l'amour quand elle voit Schneider. Elle va pas tomber amoureuse de Schneider, ça n'a rien à voir avec ça. C'est au-delà de ça. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que c'est normal. Et puis parce que j'ai plus que vous dans ma vie. C'est l'amour d'elle-même qu'elle voit aussi à travers les yeux de Schneider. Marie Angeli, quelque part, c'est la continuité de Eve Verhagen de 36. C'est une Eve Verhagen qui a beaucoup vieilli, qui a beaucoup vécu. Voilà, même si entre les deux films, il y a 3 ans d'écart. Donc, moi, j'ai vieilli de 3 ans, mais le personnage, lui, il a vieilli de au moins 15 ans. Et donc, il a vécu des tas de choses que le personnage de 36 n'avait pas vécu. Et c'est pour ça qu'elle était toujours dans... l'idéalisme, l'envie que les choses soient claires, que les choses soient d'honnêteté. Elle avait encore une passion dans ce métier, des rêves, des envies, une droiture que peut-être Marie-Angélie a perdue. Il te suffisait d'un rapport, Marie. Tu aurais pu sauver ma tête. Ta tête était déjà dans le panier avant que tu montes sur la charrette. Marie-Angeli, je crois qu'à ce moment-là, elle a une admiration profonde pour le flic, pour le collègue, et puis un amour qui est passé à côté pour l'homme.
puisqu'il y a eu une histoire entre eux. Elle, il faut qu'elle te retrouve dans la tendresse. Elle t'a pas vu depuis 5 mois, ouais. Et puis elle est responsable, donc... Et alors peut-être, moi, je pense pas... Oui, pardon, oui, ça... Non, je t'en prie. Je me dis une chose. Tu sais que quand dans la culpabilité, peut-être je la hais, moi, d'avoir couché avec elle. C'est une question que je pose. Mais c'est ce que j'allais te dire, tu viens de me couper. Ah, tu vois, hein, je la hais, moi, cette femme. Non, mais tu la hais pas, non, mais tu la... Elle t'intéresse plus. Donc toi, tu lui parles quasiment pas comme un chien. Mais toi, tu veux juste savoir, toi. Tu veux aller... À la limite, ce mec, il serait prêt à, tu vois, à tout reprendre. Parce qu'il, lui, il veut que... Il est pour la vérité, ce mec-là, ouais. Quoi. Donc c'est la seule chose qu'il a fait tenir. On lui a enlevé la dernière chose. Ouais. Donc c'est évidemment que cette gonzesse, elle te débecte. Ouais, elle me débecte. Et en même temps, elle te débecte parce que ta femme est morte à cause... Oui, parce oui. Qu'elle a, et c'est ta propre culpabilité que tu rejettes. Voilà. J'ai pas voulu tout ça, tu le sais. Personne n'a voulu tout ça. Et pourtant, c'est arrivé. C'est vrai que Schneider a une... C'est évident qu'il a une présence fantomatique. D'ailleurs, c'est même... Dans le film, à des moments visuellement... tourner comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un commissariat fantôme où tous les personnages sont un peu des destins perdus. Je pense qu'avec le couple avec Francis, c'est un peu la hyène et le chacal, quoi. Voilà. C'est des losers, j'ai l'impression que c'est des losers, quoi. Parfois, ils réfléchissent après avoir fait les choses, quoi. Voilà, ils réfléchissent. Je voudrais juste, avant qu'on démarre la séquence, pour tout le monde... Pour tout le monde, c'est donc des groupes de flics, hein, c'est les histoires de poulets. Il y a quelques propos racistes dans les propos du personnage de Kowalski, hein, que joue Francis Renaud. Donc ne vous offensez pas, c'est parce que dans l'histoire, c'est une tête de con. Donc voilà, je voulais juste vous signaler, c'est le personnage qui parle. Hein. Voilà. Ne mettez pas une grosse tannée à Francis après, entre les prises. Hein. Kowalski, c'est quelqu'un de nerveux, d'ambigu. C'est un flic, quoi. Allez, action. On rentre là-dedans, je te dis pas, ça sortait de partout. T'aurais vu le bordel, que du nègre et du bic. En plus, on n'y voyait rien, il n'y avait pas de lumière, que dalle. Il y a beaucoup d'amitié, je pense, oui. Même s'il ne se le montre pas comme ça, quelque chose de définitif, une amitié indéfectible, quoi, voilà. T'aurais vu la gueule du Black. Attends, le pire, c'est qu'il a voulu déposer plainte chez le juge, cet enculé. Atteinte à la dignité humaine et tout le tralala. Attends, comme si j'avais fait exprès de lui gerber dessus parce qu'il était noir. Kowalski, c'est un peu la star du truc et tout, c'est un peu la grande gueule, le machin, tout ça. Dans l'esprit, tu vois, c'est dans l'esprit, putain, c'est plutôt, putain. Putain, on rentre là-dedans, je te dis pas le bordel. Il y a que du nègre et du bic, ces enculés, je rentre avec machin, pim pam pam. Toi, tu peux même le regarder quand dis ça, il oublie, lui, il y a que du nègre. Oh putain, pardon, merde. Putain, excuse-moi. Tu vois, tu fais ça, hein. Et le bamboulin de mes couilles, je te dis, bah, le bamboulin de mes couilles, là. Alors, bamboulin de mes couilles. Bamboulin de mes couilles. Ouais, Jeannot, tu veux combien? Le bien, quoi, il est un peu dans le rétro, quoi. Ils sont vraiment sur la route du mal. La hyène et le chacal. Schneider, quand tu vas pisser, faut d'abord sortir ta bite. T'as pas dit? Le personnage de Jumbo se démarque parce que le public le verra dans le film. Ce flic-là fonctionne tout seul. Les autres personnages flics fonctionnent en couple, avec, sans rien dévoiler, hein, un couple qui est plutôt sympa de flics, un couple qui est plutôt pas sympa. Et Jumbo, il fonctionne tout seul. C'est pas un hasard, hein. Olivier l'a écrit comme ça. C'est la vie de plein de flics comme ça qui sont dans la solitude totale, quoi. Des flics ont connu la solitude totale, sont arrivés accompagnés dans leur vie, leur vie de flic, avec des femmes, des enfants, et ont été massacrés à cause de leur boulot et ont perdu toutes leurs attaches sentimentales. Là, je pense que Jumbo est arrivé déjà chez les flics, démunis de tout ça. Qu'est-ce que tu fous là ? J'ai du travail pour toi. Il faut que tu me fasses des tests comparatifs. Si l'ADN correspond, tu peux mettre un nom sur notre tueur. Le point commun entre tous ces personnages, c'est justement
leur différence, à gérer cette solitude et cette errance. Tous les personnages sont toujours à la limite du bien et du mal. Ça par contre, on peut dire que c'est c'est récurrent dans le cinéma d'Olivier. Ces gars-là vivent au milieu de la merde, quoi. C'est-à-dire qu'on leur demande de nettoyer et de faire le tri de tout ce que la société a de plus abject, quoi. Les malfrats, les tueurs, les trucs, les machins. C'est le mal de la police, quoi. Le flic est à la fois pas aimé pour son boulot et puis qu'on est bien content d'appeler quand on est dans la merde, quoi. Ce métier, il est dangereux parce que les choses nous échappent et que sous couvert d'un résultat ou d'une mission, ça nous amène à faire des choses qu'on ne serait pas amené à faire en temps normal et qu'on est bien obligé de faire et que l'on supporte plus ou moins bien. Je pense que l'humanité, qu'elle soit négative ou positive de mes personnages, je vais la prendre en moi. Et quand je parle d'un flic violent comme Kowalski, d'un mec qui a sombré dans l'alcool, les putes, la cam, tout ça, moi, bon, c'est moi, à un moment donné dans ma vie. Si j'étais resté dans la police, je serais peut-être devenu Schneider. Vous pouvez rester si vous voulez. Je suis pas quelqu'un de bien, Justine. Ça veut dire quoi, quelqu'un de bien? Quelqu'un qui n'aurait rien à se reprocher. Il est juste touché par la détresse des gens qu'il va croiser. C'était un meilleur flic quand sa vie était, on va dire, normale. Sauf que ce mec a débordé, comme ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Et après, il est sur la culpabilité, donc il ne tient que sur la culpabilité. Par contre, il a gardé son flair de flic. Donc voilà, c'est la seule chose qu'il a gardée. Et la volonté de vérité, surtout. Marie, l'heure est pour moi venue de rejoindre les miens, de te dire adieu et de te demander pardon pour demain. Il est trop tard. Certains doivent mourir pour que d'autres continuent à vivre. Et c'est par la quête de vérité qu'il va se racheter, qu'il va obtenir son passeport pour mourir, quoi. Mais avant de mourir, il veut sortir cette affaire parce qu'il veut empêcher d'autres morts, quoi, ce qui le rend noble. C'est un chevalier errant, Schneider. C'est donc ce qui est aussi une légende, un mythe, mais pourquoi pas? Est-ce que Schneider, au fond, il existe? Est-ce que cette histoire existe? Est-ce que lui... Voilà. Est-ce qu'après, c'est pas les générations de flics qui diront « on a connu Schneider » Schneider, personne ne sait qui c'est, il n'y a aucune photo qui traîne, il n'y a rien. C'est pas mal, ça. Quand vous avez décidé de sauter à pieds joints dans la merde, vous éclaboussez large, Schneider. Interpellation arbitraire, port d'armes illégales, acte de procédure effectué hors du cadre légal, autant d'éléments qui rendent notre code caduc et qui nous mettent en porte-à-faux vis-à-vis de la presse et de la justice. En fait, dans mes trois films, c'est la trahison de l'administration, c'est la trahison des instances supérieures. C'est-à-dire la non-assistance aux personnes qui en chient. Ça veut dire aux gens de terrain, aux gens de la base, que sont les flics de terrain dont moi j'ai fait partie, les flics que j'ai connus, auxquels je rends hommage. C'est un triptyque sur la solitude, la désespérance, les lendemains qui ne chanteront plus du tout. Le marché est simple, Schneider. Vous rendez votre carte et votre plaque. Vous quittez la maison avec l'équivalent de 70% de votre salaire. Un mec qui décide d'être flic, c'est pour être au service des autres, au service d'une hiérarchie, de gens en principe normalement compétents. Et c'est un mec qui n'est couvert que lorsque tout se passe bien. Si vous persistez dans votre souci de vérité, sachez que nous avons ce qu'il faut pour vous envoyer refaire une conduite derrière les barreaux. Quand ça dérape, c'est l'envolée de moineaux. Sidney Lumet traite ça dans ses films, c'est Serpico, c'est énormément de choses comme ça. Donc le triptyque sera bouclé, après, évidemment, c'est évident que je ferai tout sauf un polar. Son regard noir sur le monde, c'est un regard de quelqu'un qui a vu le monde par, comme il dit, par le trou des chiottes, quoi. Je l'ai vomi, ce film, voilà. Je me suis enfermé pendant 3 mois et je l'ai vomi jusqu'à l'écœurement de certaines séquences que j'écrivais. Parce que c'est une affaire qui m'a profondément marqué, c'est l'affaire qui m'a fait décider que je ne resterai pas flic, c'est l'affaire qui m'a fait que je suis devenu athée. Vous croyez en Dieu, docteur? Si je ne croyais pas, je ne serais pas là. Dieu est un fils de pute, et un jour je le tuerai. C'est l'affaire qui a fait que je n'ai plus cru en les hommes, et surtout c'est l'affaire qui m'a donné les pires angoisses de ma vie. C'est-à-dire que depuis cette affaire, je n'ai plus jamais été le même. L'examen du toubib, ça donnait quoi? Même punition que pour les autres. Violé, battu à mort et étranglé.
Il écrit des histoires parce qu'il a des histoires à raconter, il a des choses à raconter. Ça a démarré l'écriture comme une thérapie, c'est-à-dire qu'il avait... C'était vital pour lui, d'un seul coup, de raconter ce qu'il avait vécu. Nous sommes très chargés de l'univers d'Olivier Marchal. C'est en ce sens-là que c'est un vrai auteur, quoi. C'est-à-dire qu'il il nous restitue un vécu et le vécu des autres avec une vraie profondeur. C'est là la force de ce personnage, c'est qu'il a déjà été habité et hanté. Schneider, comme Vrinks et comme les personnages de gangsters, sont des tentatives d'Olivier Marchal pour être dans la vie. Voilà, c'est une façon d'expulser ses propres fantômes. C'est vraiment un film, il l'a vécu en l'écrivant. C'est pour ça qu'il l'a écrit tout seul et qu'il l'a fait lire à personne avant d'y avoir mis le mot fin, même pas à moi. C'est pas jeté comme ça, éparpillé au hasard. Hein. C'est réfléchi, c'est... Enfin, c'est un long travail de fourmis, quoi, vraiment. Donc ces deux personnes qui sont là sont des gens qui ont été assassinés. C'est tiré d'une histoire vraie que moi j'avais faite quand j'étais dans la police. Donc il avait été assassiné par un serial killer et qui a laissé en vie les deux petites filles, dont une est jouée par Olivia Bonamy et la deuxième par Louise Monod. Et on a réussi à sortir l'affaire grâce au témoignage de la petite fille qui avait 9 ans à l'époque. Et moi j'ai retrouvé cette petite fille 20 ans plus tard. Donc j'ai voulu écrire une histoire à travers ça parce qu'on s'est retrouvés très longtemps après les faits et c'était un moment très émouvant. Alors ces deux petites filles ont été élevées par leur grand-père dans la vraie histoire qui est joué par Clément Michu, qui est là. Et le personnage d'Olivia n'a pas réussi vraiment à reconstruire sa vie. Donc là c'est une scène, c'est une messe commémorative. Ça fait 25 ans donc, que les parents ont été assassinés. Ce sont les proches, hein, les gens de la famille, les oncles, les tantes, parce qu'elles s'en sont... Moi, j'ai beaucoup parlé avec, hein, parce que quand je l'ai retrouvée très longtemps après, elles s'en sont beaucoup sorties grâce à la foi et aussi à l'aide de leurs parents, de leur famille et de leurs amis, des oncles et des tantes. Le repos, la guérison. Voilà des mots qui, j'en suis sûr, ne résonnent pas dans le cœur de tout le monde ici. Des mots qui n'ont pas leur place face à la douleur et au chagrin. C'est un film qui est le reflet d'une époque... de barbarie absolue. On est en plein dedans, elle n'a jamais été aussi vulgaire, aussi quotidienne, aussi banalisé. C'est pas du chagrin. Le chagrin, il est ailleurs, il est longtemps en toi. Toi, tu penses à l'autre enculé qui est toujours en prison et qui va, tu vois. Voilà. Toi, c'est le chagrin de ta fille qui est morte dans des conditions horribles, parce que c'était horrible. Mais toi, en même temps, tu restes sur ce mec-là, tu penses qu'à lui, quoi. Je pense que c'est pas mal, tu vois, comme ça, on est avec son mec. On est mis tout doucement. Moi, les deux sœurs, elles ont pris des tangentes différentes. Il y en a une qui est dans le chagrin et qui arrive à évoluer dans sa vie. Et je me suis dit, bon, bah, elles s'entendent plus, ça arrive, c'est des choses qui peuvent arriver entre frères et sœurs, c'est dommage, mais c'est comme ça. Elles essayent de communiquer avec Blandine et Justine dans la scène de l'église et ça fonctionne pas, quoi. Blandine n'a pas envie qu'on lui donne des leçons de comment elle doit vivre la chose et ça veut pas dire. Et ce qu'elle lui dit, pour moi, c'est le sous-titre, c'est ça veut pas dire que je souffre pas. Mais arrête de me dire comment je dois le vivre, arrête de me dire comment je dois le souffrir. C'est vrai que le jour où on a joué cette scène avec Louise, on était donc dans cette agressivité dès le départ. Dès le départ, elles n'arrivent pas en même temps. La petite sœur arrive en retard, la grande lui reproche d'un regard. Et je ne savais pas comment on allait jouer ça, l'après, la confrontation, quand on allait se parler. Justine. Et là, j'ai vu à quel point il y avait tout l'amour qu'il peut y avoir entre sœurs. Alors, cela fait comme ça, hein, avec les intentions, mais à plat, quoi. Justine, j'y vais. On rentre. Tiens, pour buffer. La manière dont les deux se parlent et sont émus, quelque part, ça pourrait pas exister s'il n'y avait pas un truc fort entre les deux.
Et peut, voilà, c'est comme il ne peut pas y avoir de haine sans amour. Enfin, ça va ensemble. Je veux dire, s'il y avait vraiment une coupure et qu'elle ne se parlait plus, un truc froid et à la limite aucun sentiment, rien. 57 sur 12, 6e caméra 1. Justine, j'y vais. On rentre. Tu viens pas au buffet. Les enfants sont fatigués, François travaille tout demain. La vérité, c'est que t'en as rien à foutre de papa et maman. Tu les as gommés de ta mémoire. C'est important ce buffet, putain. Important pour qui? Pour papy, pour toi, pour nous. Laisse-moi me souvenir et arrête de me dire ce que je dois faire ou pas faire. Ce film, il s'est construit de l'intérieur. Il s'est construit... Moi, je ne l'ai pas construit avec des mots, je ne l'ai pas construit avec des réflexions psychologiques. C'était quasiment que du ressenti. Il y avait des choses que je ne pouvais palper. Il y avait des ambiances, des musiques, des choses que je pouvais palper, que je savais qui collaient à Justine. Ça a plus été... une construction émotionnelle. Bon, alors c'était moyen, hein. C'est super. J'ai laissé tourner, hein. Moi, j'ai laissé des trucs formidables, c'est bien. Donc maintenant, on se la fait, on a l'extrême. Maintenant, on... Mais t'as pas à être désolé, c'est super. Écoute, vois ce qui sort sur le truc. On va la faire plusieurs fois, de toute façon. Je laisse venir ce qu'il y a, quoi. Moi, je tourne ce qui vient, hein, je t'ai pas là, tu vois. Donc, je suis là pour ça. Hein. Ma préoccupation majeure, c'est l'émotion. Donc, ces thèmes, on peut faire le film le plus noir possible. Quand il y a l'émotion, c'est un film qui marche, je pense. Voilà. Subra, en slip, debout dans sa cellule face à son lavabo, se lave le corps à l'eau glacée, indifférent à la présence de son co-détenu qui pleure, allongé en chien de fusil sur la couchette du haut. Donc je pense que tu vas le pendre et tu vas l'accrocher au... Comme c'est des lits superposés, tu vas juste l'accrocher au truc et hop, le basculer pour qu'il tombe dans le... Et qu'on entend... On va entendre un truc, tu vois. Et tu vas t'asseoir sur le tabouret en face et tu vas le regarder canner, quoi. Tu vois, voilà. Avec le mec, il a le gourdin pour moi. Hein. Parce que le vrai, c'était ça, hein. Il braquait des gens, il les forçait à faire l'amour avant qu'il tue. Il a fait les premières affaires, il les forçait à faire l'amour sous ses yeux, avec un calibre, hein, tu vois. Après, la psy m'a expliqué qu'à chaque étape, ces mecs-là doivent passer une étape supérieure. Donc il a commencé comme ça. Après, il saucissonnait des vieilles à domicile, il se branlait devant, tu vois. Après, il obligeait les gens à faire l'amour, et puis après, il tuait. Et après, ça serait allé encore plus loin, quoi, tu vois. C'est, je sais pas où, mais... C'est pour toi, c'est assez lourd. Hein. T'es pas obligé d'aller faire ça à l'Actor Studio, t'introduire dans les maisons pour te branler devant les vieilles. Hein. Hein, Philippe, je sais que tu peux aller loin, toi. C'est pour ça que je préfère te prévenir.
Le personnage que j'interprète, qui est un type qui a passé 38 ans de vie en tôle et qui, dans la vie, est mort en tôle. Là, il leur fait ressortir, il a connu le Dieu, les micelles, toutes ces conneries-là, pour soi-disant se racheter. Mais en fait, il ne se rachète pas, quoi. Tu sais, pour moi, il est simple, hein, le personnage. Ouais, moi aussi, il ne parle pas. Et c'est un mec qui... C'est un mec super froid, pour moi. Vraiment, hein. Et en même temps, c'est un mec qui leur a mis la cerise à tous. Hein. Ça veut dire qu'il est très intelligent, très manipulateur. Moi, je vois vraiment que ça soit la représentation du mal. Alors, je sais que c'est des personnages pas faciles à faire. En même temps, tu peux te dire que c'est pas très original parce que t'es un peu habitué aussi. Mais moi, je trouve que la présence que t'as, la gueule que t'as, la voix que t'as, parce que moi, c'est un personnage de voix, surtout. Moi, franchement, quand je l'écrivais, je pensais à toi. Parce qu'en plus, ça va te faire flipper, mais tu ressembles beaucoup au vrai, quoi. C'est très bon, non, à jouer des trucs comme ça. Parce que c'est en dehors de toi. C'est ça qui est chouette. Tu sors de toi. Si tu fais du naon tout le temps, c'est pas marrant. Tu passes, tu fais naon. Eh ben, tu passes, tu fais naon, puis alors. Moi, je veux faire autre chose que du naon. C'est un requiem. C'est une histoire d'amour avec des êtres totalement torturés, mais par la vie, par leurs blessures. C'est un drame sur fond de polar. On va dire que ça parle plus des hommes que des flics. Donc on parle de l'intérieur de l'être humain. Et les flics, en fait, j'ai l'impression que c'est un prétexte. C'est une sorte de décor derrière. C'est un drame, parce que c'est le drame d'un mec qui est tout seul, face à la machination policière. C'est un polar, parce qu'il y a de l'action, il y a des coups de feu, ça se passe dans le milieu de la police et du truandage. Et puis c'est un film noir. Noir dans le melvillien. Et en plus de ça, c'est vraiment... C'est épais, même. C'est un film qui est puissamment classique dans la teneur des comportements psychologiques, mais que la notion de spectacle reste très, très présente quand même, quoi. Là, je fais du spectacle, je mets des belles voitures aux flics, je les look avec des fringues, des manteaux qui ne peuvent pas se payer, qui vont mettre 3 ans à se payer. Ça m'est égal, le cinéma réaliste me fait chier. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus moderne que le classique. Voilà, c'est-à-dire que vous regardez un film de Melville aujourd'hui, ou de sauter, c'est-à-dire qu'il y a d'abord dans la façon dont les gens sont filmés et sont vus, leur façon d'être coiffés, habillés, et fait que les années passant, on ne sera pas confronté à un choc de mode, vous voyez. Donc voilà, la force de ces films, c'est que ce n'est pas des films à la mode. Melville aurait pu tourner ça. La peinture de la vie, de la société, la peinture des mœurs, la peinture de la réalité, c'est moderne. Et même si ce sont les mêmes choses, ça s'est passé il y a 40 ans, ça se passe maintenant et ça ne changera pas. Le cinéma de Melville, c'est le rêve. Et le cinéma de Marshall, c'est pareil, je veux dire. Moi, elle est beaucoup plus primaire, ma démarche de cinéma. Parce que c'est le cœur qui parle, moi. Voilà, je dirige des acteurs avec le cœur, pas avec le cerveau. Quoi. Je fais un film avec le cœur, pas avec le cerveau. Voilà.
Jumbo, ma poule, t'es là pour moi. Voilà. Daniel, t'arrives avec Gérald. Dans la voiture, on fait un plan d'arrivée avec vous. Caméra embarquée. La Chrysler, comme ça, elle arrivera ici. Ouais. On récupérera le plan à la grue. Ouais. Il y aura un plan dedans, un plan à la grue. Ouais. Moi, je la devine, la maison, quand j'arrive en caméra embarquée. Je vois les lumières, je vais voir les lumières bleues. Ouais. Et c'est ça qui est joli, qui est mystérieux. On ne sait pas, tu vois, c'est cette bâtisse, elle est assez imposante. Ouais. Mais parce que ce qu'on aurait pu faire aussi, si tu veux, c'est démarrer le plan à la grue ici en haut, voir cette voiture, donc le raccord du... Ouais, et la découvrir avec eux. Souvent, quand on entre dans un décor de visu, je dirais, on voit le décor dans sa totalité, c'est-à-dire qu'on le voit, en fait, le décor. Moi, j'ai le sentiment qu'au cinéma, il ne faut pas montrer le décor, mais le ressentir. C'est-à-dire que, pour être simple, je ne pense pas qu'un plan large nous montre forcément le décor. Mais à travers certains plans, on peut le ressentir, le décor, ressentir s'il est angoissant, si c'est un décor... accueillant ou au contraire distrait. Et c'est quand il descend de bagnole qu'on découvre la maison. Voilà, ils sortent la et alors à ce moment-là, on les amène ici, ils sortent, et on revient jusqu'ici. Yes, très bien. Et à la fin, et du coup, tu découvres. Eh bien, si c'est possible, c'est super ça. Ouais. Eh bien, si c'est possible, c'est génial. J'ai pas l'impression que c'est un réalisateur technicien et ça me plaît assez bien en fait. C'est plus un styliste qu'un technicien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a, je pense, c'est quelqu'un qui a un ressenti et ce ressenti, il va essayer de le transmettre aux gens avec qui il travaille. Une de ses obsessions, c'est de ne pas tricher, quoi, d'être juste. Gérald, tu descends le premier, poum, tu regardes sur le truc. Daniel, pareil, tu vois, on vous suivra à la caméra. Vous regardez un peu tout le bordel et tout ça, et puis vous allez vers Jumbo, quoi. Hein, mais tranquille, quoi. Hein, de toute façon, elle est morte, et on ne peut pas aller plus vite. Francis et Christian, toi, tu vas sortir de là. C'est-à-dire que tu vas d'abord au chien, toi. Vous allez d'abord voir le chien. Et toi, Francis, tu vas sortir de là. C'est vrai qu'Olivier, il aime bien sur le plateau, quand on prépare une scène, prendre la place du comédien. Moi, c'est pas gênant parce que, en fait, quand je le vois faire ça, c'est comme s'il nous montrait le film qu'il a déjà fait, mais qui ne peut pas être montré, qui n'est pas sur pellicule. Il est en train de nous montrer. Il nous fait un storyboard vivant, quoi. Sauf qu'à la différence, il va nous laisser faire parce qu'il ne peut pas se déplacer comme Guy Lecluse, il ne peut pas parler comme Guy Lecluse. Et inversement, moi, il ne me demande pas de faire Olivier Marchal, mais il me montre comme on va montrer à un enfant comment on marche, et c'est l'enfant qui va marcher. Les parents ne marchent pas à la place de leurs enfants. Et c'est les enfants qui se débrouillent pour marcher tout seuls. Il ne l'a jamais fait sur les autres films. Alors pourquoi ? Je me pose la question aussi. Faut effectivement éviter le mimétisme, c'est effectivement un danger, mais ça c'est à l'acteur de faire attention à ça. Ouais, il va y avoir encore d'autres victimes, mais ce sera ta faute. Et là tu te casses. Il va y avoir encore d'autres victimes, mais ce sera ta faute, la caméra sera où? On verra, je serai, on va tourner, on va être à l'épaule là, avec vous. Hein. Demande à ta femme ce qu'elle en pense quand tu la verras. Ce qui serait pas mal, c'est ça, Daniel. Vous allez voir, ça sera ta faute, toi. Demande à ta femme au truc. Voilà, ça part tout de suite. D'accord. Hein, d'accord. Maintenant, je pense que c'est parce que là, sur ce film, ce scénario-là, il raconte une histoire personnelle. Plus que sur les autres films où il racontait des histoires vraies, mais qu'il n'avait pas vécu lui. Et j'imagine qu'il aurait envie de jouer tous les personnages, quelque part. Et puis, il y a des moments où il veut tellement quelque chose de très précis, et tellement méticuleux, qu'il ne trouve pas d'autre moyen que de le faire pour s'exprimer. Peut-être plus comme un entraîneur de boxe qui montrerait un coup quoi, à son boxeur qui lui dit tiens moi tu vas bah, il montre juste une petite chose mais après l'impact faut le mettre et ça reste à l'acteur à le mettre. Demande à ta femme ce qu'elle en pense quand tu la verras. Voilà, et là la bagarre aura lieu ici. Voilà, c'est qui va tout changer. C'est la pluie, le rythme va être différent. Je sais bien, je sais bien. Si les déplacements vous vont. Ouais. Tu vois. Mais c'est évident que quand vous sortez, le sous-latour qui fait les trucs. Alors ça va, c'est comme ça que tu bosses, enculé. Alors ben, là, Suzanne, il faut envoyer, hein, Jumbo. Hein, c'est la victime s'appelle machin, bim bim, blablabla, 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 blablabla. Biblé, c'est quoi? Depuis une semaine, tu dis? Attends, bon, ok, on y va, tac. Et l'autre, on fera signe à Francis. T'as rien à faire ici, Schneider. Tu ferais mieux de rentrer au service. Si tu as besoin de moi, Kowalski, tu sais, laisse-moi te faire à l'intérieur. Depuis quand j'ai besoin de toi? Depuis toujours. T'es plus dans les cordes, mon pote. Va visser ton cul derrière ton guichet de plainte. Et arrête de venir moucher sur les pompes.
Ok, coupé. 73 sur 7, première, clap de phare. C'est trop calme. Trop calme, tu vois. Ben, c'est tout. D'accord. T'endors pas là-dessus. D'accord. Tu sais, tu lui dis, attends, laisse-moi passer, toi, parce que t'as besoin de moi. D'accord. T'as besoin de toi, là, parce que toi, t'es le meilleur. Là. D'accord. Et on dit, depuis quand j'ai besoin de toi, depuis toujours. Allez, ne me fais pas chier. D'accord. Hein, mais d'accord. Sans. D'accord. Mais, hein, ok, mon Damien. D'accord. Ok. La direction d'acteur, c'est une chose. C'est une chose à la fois simple et compliquée. C'est-à-dire que l'art du cinéma consiste à montrer. À partir du moment où le metteur en scène montre bien, se place bien, il n'a plus qu'à demander à ses acteurs de s'inscrire dans ce cadre avec un rythme donné. Moins volontaire quand même, tu d'accord. vois. C'est quand t'arrives, c'est-à-dire froid, mais moins vif, quoi, d'accord, tu vois. D'accord. Reste un peu sur l'esprit du bar, d'accord. même s'il a rétabli d'accord. un peu. D'accord. Hein d'accord. J'aime bien le côté un peu absent, tu d'accord. sais, ce qu'on avait trouvé, quoi. Quand on tombe sur des auteurs, on les joue. Où trouver au plus près, au mieux, la réalité du personnage, où aller la puiser, sinon chez celui de qui ça vient. Je le pille. Tac. Attends, tu vois. Si tu viens, Gérald, avec lui, tu vois. La violence, c'est toujours une manifestation de la faiblesse. On ne peut pas la jouer, il faut l'avoir. D'avoir en soi, de l'avoir maîtrisée, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en soi. Coupé. Je crois pas qu'il en ait peur du tout. Je crois qu'il en a souffert parce qu'il l'a vécu dans son ancienne vie. Je veux que ça soit brutal, violent et immédiat, quoi. Qu'on n'y passe pas deux heures, quoi. C'est parce que deux flics qui se bagarrent devant d'autres flics, on les sépare tout de suite, quoi. La violence d'Olivier, elle est là tout le temps. Donc il se jette dessus. Comme ça. C'est ça. De gauche. Elle est là dans ses moments de joie. Elle est là dans ses moments d'exaltation. Elle est là dans ses moments de colère. Elle est là. C'est un homme violent. Aussi. Donc forcément, ce qu'il écrit, c'est les choses qu'il a dans son cœur, dans son âme, dans sa tête, et qui met sur le papier. Donc cette violence-là, elle est très présente toujours en lui, et elle sera toujours présente. C'est bon. La violence des hommes dans ce film entre eux et la violence de Kowalski envers Marie-Angeli qui est suggéré, mais sur lequel on ne met pas un projecteur, mais qui est présente quand même. C'est la lâcheté des hommes qu'Olivier ne veut pas, oublier, quoi. Et moi, ce que je me suis inventé entre les deux, c'est qu'il a niqué Angeli le soir où il l'a niqué, toi, tu étais déjà plus ou moins avec elle. Donc, le ressentiment que tu as pour lui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et t'as la main à branler qu'il ait perdu sa femme et sa fille à cause de ça. Oui, quoi. Oui. L'indicat à gonzesse. C'est un règlement. Ouais. Même si toi t'étais au début, t'avais d'autres gonzesses à côté, mais tu commençais, tu vois, t'étais plus ou moins avec elle et l'autre, elle s'est laissée aller avec lui un soir, quoi. Voilà, et tu l'as su. Voilà. Histoire de cul comme d'habitude. Non, mais ça suffit pour que les mecs se détestent. Yeah. Là, tu vois, c'est bien, c'est joli. Là. Ouais. Après, tu vois, moi j'ai ça, puis en contre-champ derrière le coffre, ils sortent les fusils, on a ça derrière, tu vois. Ça, c'est beau. C'est vrai que ça aurait été magnifique sous la pluie, mais. C'est toujours possible. Non. C'est ça, les rampes à eau sont pas installées et tout.
Non, puis de toute façon, je te dis. Non, mais là on se faisait aujourd'hui, on faisait 4 plans, quoi, avec la pluie. Non, je suis niqué, quoi. C'est un problème. C'est une séquence depuis le début. Je dis, il faut 15 jours pour la faire, sous la pluie. Ouais, on a 3 jours, même si on me gratte une journée de plus. Donc, Daniel, toi, t'es passager. Gérald est au volant. En action, vous descendez, chacun d'un côté. Vous attendez 3-4 secondes. Vous regardez un peu le machin et tout, tac. Toi, tu vas regarder ta montre. Vous décidez d'y aller. Hein, vous attendez l'heure, 6h, quoi. Géraldo, hein, quand tu vas chercher les trucs, fais pas trop ça, c'est pas très beau, quoi. Tu vois, si tu plonges trop dans le coffre, essaie de me faire un truc comme ça. Tu lui tends normalement, Daniel, comme ça, tu vois, tiens, au cas où ça parte en sucette. Et tu prends le tien et tu me fais juste un petit bisou rapide, un petit truc comme ça, d'accord? Il a beaucoup appris avec les gens qui travaillent avec lui, là, qui sont encore sur ce film. Son chef opérateur, c'est quelqu'un de très précieux pour lui, Denis Rouden. Chef opérateur, c'est donc le directeur de la photographie. Il a en charge de traduire l'univers visuel du film que désire le réalisateur et surtout dont le film a besoin. Ok, on y va. Ce n'est pas qu'une histoire de lumière. La lumière, à la limite, n'a pas beaucoup d'importance, entre guillemets, parce que c'est qu'une histoire de projecteur et de choses à déplacer. L'image d'un film, c'est bien au-delà de ça. C'est une histoire de point de vue. Après, on les fait partir vers les grilles. Là, champ contre champ. Après, on les prend, il y a... Ouais. Après, on les prend comme ça, en plongée, ils passent. Et après, je me les récupère dans l'escalier, là-bas, dans leur dos, caméra épaule, ou au stead. Au stead, tac, ils voient l'autre. Point sur le mec qui disparaît. Et après, on est sur la terrasse, en longue focale, lui qui débouche, eux qui arrivent derrière. Tirage. On peut avancer assez vite et commencer la bagarre ce soir. Hein. T'ouvres, hop, tu prends ton bordel. Hein. Tu prends les trucs pour aller nettoyer les clefs, c'est tout ça, quoi. Hein. C'est ce que tu fais tous les matins, quoi. Hein. Il prend police. Tac, tu vois, tu peux faire un truc comme ça, tu les vois, ces deux enculés. Tac, hop, tu fais ça. Lève les bras, donc. Lève les bras. Toi. Tu vas mettre du temps. Hein. Tu vas pas, tu t'obéis pas. Ouais. Déjà, tu localises, tu vois, tu peux faire... Tu sais que l'autre, il est passé là. Hop, lève les bras, on t'a dit. Hop, tu fais, lève les bras. OK, pose tes outils, on t'a dit. Pouf, bouge pas, enculé, tu vois. Bouge pas, on t'a dit. Et là, il peut, tu vois, il peut poser. Voilà. Là, c'est inquiétant, ça, tu vois. Ouais. Et là, boum, ça part. Là. Il y a ça, boum, le coup de feu. La paf. Paix. Voilà, faut que je le fasse juste à plat avec toi. Vas-y, Swan. Police, pose ton seau. Pose tes outils et allonge-toi par terre. Pose tes outils, allonge-toi par terre, enculé. Tu vois, ça va être ça. Pose tes outils. Arrête de bouger. Descends. Pose tes outils. Voilà, ça va être ça. Et boum, et là, c'est ça. Voilà. Ouais, ça doit être comme ça. Là, faut mettre un bon coup de pression, hein, à tous les deux. Vous pouvez gueuler en même temps, vous chevaucher et tout, hein, c'est pas grave. Hein. Tu vois, ça doit être bien chaud. Hein. Ça vous va, Daniel et Gérald? Ça vous va? Bien. Ok. Bon, on va se tourner ce plan, hein. Police, pose tes outils, allonge-toi par terre. Fais ce qu'on te dit, allonge-toi. Écoutez, merci. On est dans le plaisir immédiat de faire les choses et dans la confiance, dans une confiance réciproque. Et nous gardons chacun nos propres doutes et nous les exprimons. Et en fait, c'est des tests que nous nous faisons. Et celui qui sent que l'autre a le plus raison cède très très vite. Enfin, c'est même pas une question de céder, c'est au contraire. C'est une question de CDAIDER. Il me voit, il me dit, écoute, je suis pas sûr de finir, on aura peut-être un cinquième jour ici, moi c'est impossible. Non, c'est pas possible, t'inquiète pas, on aura fini. J'ai l'impression que ces plans-là, c'est bien, mais ça va être resserré vachement le montage, parce que dans la poursuite, on aura besoin que ce soit rapide, et que voilà, c'est du plus, c'est bien, mais c'est du plus, quoi. Alors que le chien, c'est pas du plus, c'est indispensable. Oui, mais t'inquiète pas, le chien, je vais le faire deux fois, c'est tout. Hein. Moi, je vais mettre 3 caméras, et puis je le fais 2 fois, et c'est bon. Hein. Okay. Je te jure. Hein. Okay.
fais pas trop, j'en fais pas trop. Ah non, non. Non, c'est bien. Ouais. Non, je te le dirai. Je te le dirai. Mais tu sais, la pluie donne ce masque de douleur. C'est ça qui est intéressant. Tu vois, t'es toujours dans le bordel. Tu sais, c'est ça qui est bien. Ne force pas, c'est tout, Gérard. Ne fais pas plus que ton état ou forcément t'es crevé, de toute façon. C'est les rôles de vieux, hein. Donc, tu joues les vieux, hein. C'est un vieux de 50 piges qui court après un mec de 20. Bon, il est moins le quart, il faut 4-3 heures, on est tout fini, là. Après, il faut se piler. Ok, on y va. La pluie. Qu'est-ce qu'on attend, là? Qu'est-ce qu'on attend, putain? Il y a la pluie, tout, on est prêt à tourner, on tourne. C'est Gérald? Non. Putain, j'ai eu peur. Nom de Dieu, c'est beau. Ouais, super, coupez, coupez. Il faut faire flinguer le chien, hein, ça aussi. Hein. Ouais. Comment on va faire pour tuer ce putain de chien, hein? Pour pas que ça me prenne des heures, putain. C'est pas possible, ça n'est pas une chose disjonctée aujourd'hui. Hein. Bon, est-ce qu'on la tourne, putain? Bon, alors on y va, tourne. Putain, c'est pas vrai, bordel! La pluie! La pluie! Action! Action! Appelle-le! Oh merde! Coupez! Putain de dieu, de merde! Je pense que de toute façon, on va pas finir la journée. Voilà, déjà ça. Non, je veux pas faire de la merde. Ça c'est clair. Voilà, donc allons-y tranquillou. Est-ce qu'on a besoin du plan Ousted? Bah, est-ce que tu veux refaire ça? C'est le plan de Daniel au premier plan. Là il est 5h30. Hein. J'ai une heure, il me reste 1h30 pour faire tout ce qui nous reste. Hein. C'est impossible, hein, mathématiquement. Denis, si on est obligé de faire une demi-heure de plus, tu peux éclairer, là, si on finit en nuit? Non. Je suis baisé, quoi. On ira jusqu'au dernier moment, quoi, tu vois. Non, mais... Non. Tu seras pas baisé, s'il faut, tu vois, je sais pas. On va revenir quand? Je sais pas, mais on ne peut pas, tu vois, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'on peut revenir ici demain? Parce qu'à ce moment-là, moi, je fais plus n'importe quoi, là. Si on peut revenir ici demain... La baston, je pourrais pas la faire. Je pourrais pas la faire. Ce qu'on peut faire, c'est revenir faire juste la mort. D'accord. La mort, on finit le chien. On finit le chien. Et la mort, on la fait demain matin. On a un créneau, là, je suis allé voir le mec, on a un créneau de 2h30, quoi. Demain matin? Ouais. C'est-à-dire que demain, il faut qu'on tourne à 8h et qu'à 10h30, on soit parti. D'accord. Et Olivier, il faudra que tu simplifies un tout petit peu. En revanche. La mort? J'ai deux caméras ici. Simplifier un petit peu l'abbaye, parce que autrement, on explose. Quoi. Mais, ah, je sais. Pour un tout petit peu toucher les arrivées de voitures, de Schneider, de machin ouais, et tout. Quoi. Ouais. Donc, bah, je vais réfléchir à ça. La mise en place. Merci, David. C'est prêt le harnais, Julien? Explique-moi bien, Julien, ce qui va se passer. Donc, en fait, Daniel est en joue. Hein? Non, Daniel, il est en train de bouffer le chien. Le chien Daniel fait les deux derniers mètres. Voilà. Il voit le chien bouffer. Voilà. Il met en joue. Lionel ou Julien, coup de sifflet, voilà. Clac-clac, le chien se retourne, fait un mètre. Daniel tire et il tire sur le harnais. Il a un œil qui est très intéressant parce qu'il sent. Il sent très vite quand c'est beau, quand c'est juste, il le voit. Moi, je le connais bien. Quand je vois quand il n'est pas content, il tourne, il vire, il est là, il dit oui, mais c'est pas mal. Mais bon, je vois tout de suite. Donc quand je sens qu'il n'est pas content, on continue à chercher. Mais non, raté, c'est foiré. Les metteurs en scène qui sont sûrs finalement de leur coup, qui sont presque trop techniques, quelquefois ils font des films qui sont quelquefois un peu froids et qui manquent un peu de spontanéité, quoi. Vas-y, Swan, doucement. Tranquille, on décompose, ouais. Ça passe. Ok, lui, il joue. Bam, 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 bam. Ok, pour récupérer le fusil, maintenant, en tâtonnant des mains. Voilà. Voilà, la main droite qui lui lève le menton. Je lui mets dans la gueule. Voilà, ça le décale, ça le décale. Voilà, voilà, ça c'est beau, ça, c'est super. Voilà, très bien. Et là, ton truc que t'avais mis, là... Vas-y. Ah ça, si tu peux me le faire, moi c'est du pain béni pour moi. Hein. Ah, mais, ah oui. Oh, on voit que t'as fait... Mais je sais. J'ai mon CAP. Putain, putain. J'ai mon brevet. Ok, on fait ça alors. Voilà. Bon, alors, pour tout le monde donc, je répète, action. J'attends un peu. 1, 2, 3. À 3, Daniel, tu appuies. Et l'impact part. Ok? 1, 2, 3! Coupé! C'est pas battu. Vous voulez le refaire? Je voulais le refaire, oui. Ah!
pas si c'est... On le refait en large ou on le refait... Non, 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 large, mais attends, 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 si tu veux... Moi, je veux pas non plus te... Moi, je... De toute façon, on attend le chien, on attend le chien, on attend le chien, on en a pour 20 minutes à attendre le chien. Non, non, on... Le chien, c'est combien, le chien, dans 10 minutes, il est endormi. C'est combien, c'est un quart d'heure? Voilà, non, là, on a dit un quart d'heure, 20 minutes, il a dit le vétérinaire. Bon, d'accord, on fait un quart d'heure. Donc. Mais non, l'impactage. L'impactage, 20 minutes. 20 minutes, en un quart d'heure, c'est ça prêt. Va, pas 5 minutes, hein. Voilà, enfin, c'est comme ça. Le temps d'attendre le chien. On sur la table et puis voilà. Après on dit. Voilà. Ouais, enfin, sauf qu'on. Enfin, ça veut dire on attend 20 minutes là, on fait ça 20 minutes, ça fait 20 minutes, alors qu'à midi et demi, on n'est pas parti. Ça veut dire. Est-ce que tu veux pas privilégier plutôt l'impact que le plan du chien? Est-ce que tu as vraiment l'impression que ce plan avec le chien. Ah oui, le plan, la fin, je la voulais, moi, depuis tout à l'heure. Allez, on fait la fin. Allez, on fait la fin. La mettre en place. On est à la télé là les gars, bon, c'est pas grave. Allez. Non, non, mais on est à la télé. On fait un plan d'impact. Même à la télé, je les double, moi, les plans, quand je suis acteur à la télé. On les double. Là, on est au cinéma, on fait un plan direct dont, et je ne suis pas content. Alors, putain, on est au cinéma, merde, quoi, sur un gros film. J'en ai rien à branler qu'on parte d'ici à une heure. On refait l'impact et puis c'est tout, quoi. Je pense qu'au montage ça marche, mais genre, comme j'en suis pas sûr, on la refait. Oui, oui, non, mais ça voilà. Hein, et là, tu pars, tu t'attends pas la demi-seconde que je t'ai demandé. Ouais. On s'en fout. Si ça, même, ça passe pas, tu j'ai vois. J'ai demandé à Yvan si c'est possible d'avoir un coup de feu en même temps, comme tout à l'heure. Parce que je vais plus vite au départ en entendant le coup de feu. L'impulse, elle est plus carrée. Si c'est possible. De quelqu'un qui fait des films, c'est aussi de faire participer ce monceau d'émotions qui ont été les miennes à travers 20 ans de vie, quoi. À partir du moment où cette histoire est arrivée, où ce film sortira, j'espère. C'était la vocation d'un cinéaste aussi, c'est de transmettre ses émotions et de transmettre aussi ses morceaux de vie au public, en leur disant aussi... Voilà, ça existe, et la vie d'un flic, ça peut être aussi ça. J'ai tellement rêvé d'être flic, et j'ai fait 36 parce que je me suis raconté, parce que j'ai fantasmé la police telle que moi j'aurais aimé qu'elle soit. Voilà. Là, donc, RMR, évidemment, je me raconte dans la grande solitude qui a été la mienne et qui est toujours la mienne, malgré les apparences, depuis novembre 2000... 5, c'est ça. Enfin, la vie a fait que voilà, j'ai perdu le contrôle à un moment donné. Ouais. Et je m'en veux. Je me suis retrouvé totalement, pour la première fois de ma vie, désemparé et faible. Voilà. Et je n'aime pas être faible, donc je me remonte péniblement, grâce à ce film, je remonte la pente. Et encore une fois, c'est le cinéma qui me tient la tête hors de l'eau, quoi. Thank you.